Salut à tous, c'est Legend X. Alors on se retrouve pour une vidéo de vente et échange exclusivement de boosters Pokémon. Donc c'est pour ça qu'au niveau des échanges, je ne souhaite uniquement échanger les boosters que vous voyez ci-dessous contre vos boosters si vous souhaitez faire un échange. Après, si vous souhaitez faire un achat, j'accepte uniquement PayPal, l'échec et puis cash. Voilà, donc et puis quoi qu'il arrive, pour les échanges ou les ventes, tout ça, ça se règle par message privé. Et comme d'habitude, si vous ne savez pas m'en envoyer un, laissez un commentaire, puis je vous contacterai moi-même. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, je vous ai donné les modes de paiement. Et puis pour les prix, donc des boosters, je vends par lot, comme vous verrez. Et par contre, là, je ne vais pas donner le prix des frais de port, car tout ça, ça se réglera par message privé, étant donné que ça dépend du type d'envoi que vous souhaitez. Et puis de toute façon, je répéterai tout ce que je viens de dire dans la description. Allez, sans plus tarder, je vais vous montrer tout ce que j'ai à vendre. Donc on commence avec les boosters Legendary Treasures, donc Black et White, la série qui n'est pas sortie en française. Voilà, donc j'ai les 4 illustrations, j'en avais déjà mis en vente, j'ai réussi à en vendre pas mal et en récupérer d'autres. Donc voilà, d'autres sont disponibles pour ceux qui souhaiteraient. Donc évidemment, hein, je ne l'ai pas précisé, mais tous les boosters sont neufs et scellés, authentiques. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc je vends les boosters Legendary Treasures par lot de 4, soit une illustration Mewtwo, une Genesect, une Reshiram et une Zekrome pour 18€. Après, on passe à Explosion Plasma, donc la dernière série sortie en française. Donc là, je vends par lot de 3 boosters pour 12€. Donc vous aurez un Palkia, un Porygon et un Genesect. Voilà, donc j'ai 2 lots disponibles de cette sorte. Puis donc on passe à Tempête Plasma avec évidemment les 4 illustrations. Alors je répète, Articodin, Lugia, Cinabras et Léopardus si je ne me trompe pas. Donc eux, je les vends, voilà, 16€ les 4. Donc évidemment vous aurez les 4 illustrations différentes. Alors là, pour pouvoir émergent, donc j'ai 3 fois la même illustration d'Arumacho. Je vends les 3 boosters ensemble pour 8,50€. Après, l'appel des gens, donc une série hein, qui est vraiment assez rare, hein, les boosters partent comme des petits pains étant donné qu'ils sont assez difficiles à trouver, et d'autant plus que parfois vous pourrez tomber sur des cartes ultra rares SL, donc Shiny Legendaire, qui sont magnifiques. Et donc je vends le booster à l'unité 10€. Voilà, donc vous pourrez choisir l'illustration, et si vous pouvez également en prendre plusieurs, hein, là-dessus il n'y a pas de problème. Puis on passe à HS Indomptable. Donc hop, les 4 illustrations, donc on a Demolos, Hermur, Rayquaza et Voltali, et c'est 15€ les 4 boosters. Donc je vous mettrai 4 illustrations différentes, il n'y a pas de problème. Alors ensuite on passe à Platine Vainqueur Suprême, donc les boosters que j'ai ouverts dans ma dernière vidéo. Alors je vends par lot de 5, donc dans le lot de 5 vous aurez 2 illustrations Karchakrok, un Dracaufeu, un Rayquaza et un Absol. Donc voilà, j'ai 3 lots disponibles. Je vends les lots, alors j'ai dit que je les vendais, attendez je retrouve ça, voilà, 19€. 19€ les lots de 5 boosters Platine Vainqueur Suprême, comme je vous ai dit, sans les frais de port. Après on passe donc à une série extrêmement rare, hein, une série du bloc Wizard, il s'agit de Fossiles en édition 2. Donc, j'en avais ouvert il y a très longtemps pour mes 500 abonnés, je crois que j'ai fait une vidéo spéciale dans le genre. Donc j'ai les illustrations Elector, Terra et low class, voilà. Donc ces boosters là je les vends à l'unité pour 15€, voilà, donc 15€ pièce. Ensuite on passe aux quelques boosters échantillons que j'ai réussi à dégoter. Enfin bon, il y a pas mal de glaciation plasma comme vous pouvez voir, donc ce sont des petits boosters qui contiennent 3 cartes, voilà, 3 cartes de la série en fait, qui sortent en avant-première entre guillemets dans les journaux Pokémon, manga, type Panini et tout. Et donc c'est des espèces d'objets assez collector, un peu difficiles à trouver. Donc je les vends à l'unité. Donc Glaciation Plasma, c'est 1,50€ l'échantillon, voilà. Donc ça ressemble à ça, hein, c'est un booster tout fin. Puis Frontières Franchies, j'en ai aussi quelques-uns, donc c'est 2€. Noir et Blanc, Noble Victoire, aussi 2€ l'échantillon. Et puis il me reste un seul échantillon Destiny Future que je vends 2€. Voilà, voilà, donc c'était tout pour cette vidéo de vente et échange de boosters Pokémon. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Donc je vous répète, hein, contactez-moi par message privé. Et puis si vous ne savez pas comment m'envoyer un message privé, laissez un commentaire, je vous contacterai moi-même, il n'y a pas de problème. Donc c'est génial. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas
à la liker tout simplement et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut à tous.